You ain't heard of shit like that. Working all night, you know shit like that. Cutting people off, you know shit like that. Not enough money, but I spend it anyway. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mr. Smith. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir les bras invisibles en 1.33. Donc c'est une méthode vraiment très simple à réaliser. Et pour ce faire, vous aurez besoin de la tenue que j'ai fait donc dans la vidéo. Donc je vais vous montrer donc juste après. Donc juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour les abonnés. Donc il ne reste plus que 30 abonnés et on arrive aux 1000. Donc merci à vous. Au passage, j'ai un nouveau projet, donc vraiment super donc pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire dans une prochaine vidéo. Alors pour commencer ce petit glitch, vous devrez tout simplement aller dans les pantalons de costume et prendre le même que moi, donc pantalon classique à carreaux. Ensuite, vous allez dans les chaussures, dans les baskets et prendre les baskets cloutées rouge uni. Donc c'est vraiment très important, il faut avoir exactement la même tenue que moi. Une fois que vous l'avez pris, vous allez dans les hauts, vous allez dans les gilets et prendre le gilet classique à carreaux, donc celui-là qui va avec le pantalon. Une fois que vous l'avez choisi, vous allez tout simplement aller dans les chemises pour gilet. Une fois dans les chemises pour gilet, vous allez prendre la chemise dandy rouge, donc très important aussi. Une fois que cela est fait, vous allez tout simplement mettre la protection ultra lourde, donc moi je l'ai déjà, donc je vais juste tout simplement vous montrer. Donc là voilà, donc hop, la protection ultra lourde et le gilet ressemble à ça. Ensuite, vous allez tout simplement enregistrer la tenue, donc moi je l'ai déjà fait. Une fois enregistré, vous allez tout simplement prendre la tenue de combinaison de braquage, donc quarantaine par exemple, pour avoir le masque à gaz. Donc même si moi je l'ai déjà sur ma tenue, je vais quand même vous faire montrer le petit glitch. Donc vous prenez la tenue, vous allez à votre télescope et vous courez à côté en faisant flèche de droite. Une fois que cela est fait, vous allez tout simplement choisir la tenue que vous venez d'enregistrer, donc sans le masque à gaz. Moi je l'ai déjà parce que je l'avais déjà fait pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc une fois que vous avez tout simplement la tenue, vous allez tout simplement sortir de votre appartement. Donc c'est vraiment très important car j'ai essayé dans l'appartement et malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc il faut bien sortir de son appart. Donc une fois que vous êtes en dehors de l'appart, vous allez tout simplement aller dans les activités. Donc vous allez dans les activités et vous prenez jouer activité créée par Rockstar. Vous allez dans mission et prendre capture et prendre appart calypse. Donc très important. Donc une fois que vous êtes dans la mission, vous allez tout simplement rechercher des joueurs. Donc même si on n'a pas qui rejoignent, c'est pas grave. Donc franchement, vous êtes simplement en invité et faire jouer. Donc là, il va vous dire que vous n'êtes pas assez nombreux. Donc ça, c'est vraiment très normal. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement quitter. Une fois que vous avez quitté, vous allez retourner dans les activités donc créées par Rockstar. Ensuite, une fois créé par Rockstar, vous allez dans les missions et prendre un travail de titan. Vous la lancez et quand vous aurez spawn, vous aurez les bras invisibles. Donc c'est normalement, hein, si tout a bien fonctionné, si vous avez tout fait comme moi, vous aurez les bras invisibles. Donc les bras de la chemise rouge donc vont disparaître. Il ne vous restera plus que vos mains. Et puis aussi vous pouvez rajouter des gants si jamais vous le souhaitez. Et là voilà, vous voyez qu'on a bien les bras invisibles. Donc ensuite il ne vous reste plus qu'à enregistrer la tenue et quitter la mission, puis enlever la protection si jamais elle vous gêne. Et bien voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi je vous laisse sur ces images, c'était Mr. Smith, bye bye.